allez très très bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale que j'aurais bien voulu faire pour mon premier bouquin, mais que je n'ai jamais eu le temps de réaliser, ou en tout cas eu l'envie de le réaliser aussi. Et peut-être parce que les demandes n'ont pas forcément été non plus faites par la communauté, mais je sais que pas mal d'entre vous auraient voulu une petite lecture d'un extrait du livre qu'on a pu écrire. Je vous fais cet extrait, on est lundi 3 mai. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a le Giro qui va se dérouler à partir de la fin de cette semaine-là. Donc, il y a un réel enjeu pour vous si vous êtes juste passionné de cyclisme ou un parieur qui souhaite un petit peu se diversifier sur différents marchés. Donc, voilà, on va lire un extrait ensemble et vous pourrez bien évidemment retrouver le livre entièrement à votre disposition en lien de cette vidéo. On commence au jeu. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous plaira et que vous aurez l'occasion de lire aussi à votre convenance. Vous pourrez retrouver cet extrait gratuitement aussi bien sur Amazon, mais aussi en direct. Enfin, si vous voulez me demander en message privé à moi ou à Vincent Prévost, n'hésitez pas. On vous transmettra cet extrait-là. Je comptais vous montrer aussi tout ce qui est donc au niveau ce qu'on appelle la table des matières, donc en gros une sorte de sommaire. Le sommaire en fait, donc tout simplement, qui est lié au bouquin Parier sur le cyclisme, votre futur complément de salaire. Vous voyez 17 chapitres, plus d'une centaine de pages. C'est un travail de plus d'un an et demi en collaboration avec Vincent. Vraiment, c'est un travail qui nous a vraiment touché à cœur et c'est un vrai boulot de passionné. J'espère que, en tout cas, sur les retours qu'on a pu avoir, on a pu avoir des vrais retours de la part de la communauté, comme quoi voilà, c'était un livre assez plaisant à lire et comme quoi vous avez vraiment apprécié parce que bah, on écrivait comme un petit peu comme on parlait et c'est un peu le but de la meuf. C'est vraiment un aspect très ludique, très pédagogique aussi pour vous apprendre un petit peu les bonnes manières, les bons filons et puis pour avoir toutes les informations pour vraiment bien analyser le cyclisme parce que forcément c'est un marché qui est un peu méconnu et qui du coup bah, y a des failles dans le marché. Il faut essayer d'en connaître davantage. Donc voici un petit peu les différents chapitres qui sont liés. Donc vous en avez vraiment pour tous les goûts et on a vraiment essayé d'encercler un maximum d'informations. Forcément, vous allez me dire, en plus de 100 pages, on n'est pas en capacité de tout bâcler sur du betting cyclisme. Mais on a vraiment voulu combler aussi bien les novices en cyclisme, mais aussi les confirmés en paris sportifs. Donc j'espère que ça plaira à tout le monde. On va basculer donc sur le premier chapitre, donc la présente de Vincent Prévost, membre du groupe privé de MoneyTimes.fr. Parce qu'on a déjà été à votre place, je m'appelle Vincent Prévost, j'ai 44 ans et je baigne dans l'univers des paris sportifs depuis ma plus tendre enfance. Mon histoire avec le vélo débute à l'aube des années 80, le jour où mon père m'amène à l'arrivée du trophée des grimpeurs situé à quelques centaines de mètres de la maison. Je n'en ai aucun souvenir, mais il m'avait raconté alors tout petit, j'avais crié dans l'aire de départ le nom d'un jeune coureur, alors très peu connu, qui, surpris, s'était retourné. Il s'agissait de Stéphane Roche, futur vainqueur du Tour de France, du Giro et des championnats du monde la même année. Peut-être était-ce là mon instinct de parieur qui s'exprimait pour la première fois. Durant cette même période, mon père participait à des concours de paris avec ses collègues, portant sur le championnat de France de football de première division, et forcément, comme il y avait des lots à la clé, l'écoute des grands multiplexes d'Europe 1, animés par le légendaire Eugène Saccomanno, prenait une dimension supérieure. L'arrivée du loto sportif, ancêtre du loto foot, et ses 16 matchs à pronostiquer, c'était la formule de l'époque, fut une révolution et pour moi une révélation. L'interdiction des jeux d'argent pour les mineurs n'existant pas à cette époque, en tout cas pas en bureau de tabac, je me suis fait les dents toute mon adolescence sur les côtés match et autres grilles de l'autofoot, à cette période bénie où le foot français, dont les tauliers étaient Bernard Tapie et Michel Denisot, dominait l'Europe entière. Parallèlement à cela, et dès 1983, je n'ai pas raté une miette de la grande messe du mois de juillet, le Tour de France, mais aussi les championnats du monde, Paris-Roubaix, et les championnats de France de cyclisme élite qui m'ont toujours passionné. Mon niveau de passion a baissé d'un cran dans les années 90 avec l'explosion des watts et l'arrivée de l'usage massif du dopage que je situe à l'ère Indurain.
suivi de l'ère Armstrong ou encore l'US Postal de Johann Brunel et ses méthodes mafieuses qui faisaient régner la terreur sur le peloton. Le Tour de France, que je continuais de suivre, était devenu pour moi une mascarade géante où le plus chargé du lot réussirait à tirer la queue du Mickey à l'arrivée de l'étape. Par la suite, j'ai cherché à comprendre pourquoi et comment ce sport, que j'aimais tant, avait été dénaturé de la sorte. Je me suis alors mis à lire les livres du regretté Philippe Gaumont, en passant par celui de Tyler Hamilton, ex-équipier d'Armstrong, ou encore l'excellent Massacre à la chaîne de Willy Voet, ancien soigneur de Richard Virenque. Avec le progrès des méthodes de lutte contre le dopage, qui ont notamment permis de rendre les transfusions sanguines et l'EPO détectables, mon amour du vélo et surtout mon admiration de ces valeureux guerriers sont revenus force mille à l'aube des années 2010, au moment même où les paris sportifs en ligne se sont démocratisés. Côté sport, me concernant, celui que je pratique est la course à pied. 3h56 minutes 57 secondes en 2019 au Marathon de Paris. La manière d'être performant en sport d'endurance, entraînement, nutrition, mental, est également un des domaines que j'étudie beaucoup. Professionnellement, depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai une chance inouïe, celle de vivre du métier qui me passionne depuis toujours, dans un endroit mythique que tout le monde connaît. Côtoyant des gens que j'ai longtemps écoutés et admirés, c'est encore plus le cas aujourd'hui, et avec qui je partage désormais humblement l'antenne, à savoir Difool et Fred Mouza. Je suis animateur radio sur Skyrock depuis 1998. Pour en finir sur moi, j'ai aussi baigné dans un autre jeu bien connu, le poker. Sans être un champion ni un joueur reconnu, je suis sorti gagnant de mon aventure dans l'univers des cartes, posant 200 euros en 2016, en 2006, pour ne plus jamais avoir à ressortir ma carte bleue pour renflouer le compte joueur. J'ai mis en retrait cette activité très prenante dès 2012, avec à mon actif un bénéfice de plus de 7000 euros. Présentation de Rémi Gémeaux, parieur pro et tipster de MoneyTimes.fr. Nous sommes nés originaux, ne mourrons pas comme des copies. Oscar Wilde. C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Gandhi. Je m'appelle Rémi Gémeaux, j'ai 25 ans, je suis originaire du département de la Charente et plus particulièrement de la ville d'Angoulême. Je me suis fortement intéressé au sport depuis mon plus jeune âge. En effet, à l'âge de 5 ans, mes parents m'ont inscrit au club de football de mon village, l'Étoile Sportive de Mornac. J'ai toujours eu la passion et l'envie de tout donner quand j'étais sur un terrain. J'ai cherché à améliorer mes performances, mais surtout à réduire un maximum mes faiblesses, ce qui faisait que j'étais un joueur complet, capable de jouer à de nombreux postes sur le terrain. Après m'être essayé au tennis de table, à la musculation et au tennis, il a fallu faire un choix lorsque les études ont commencé à devenir plus importantes. À 14 ans, je choisis de conserver uniquement le football, le sport dans lequel j'avais le plus d'expérience, mais aussi le plus de facilité. Première erreur de ma vie, je continue ma vie étudiante et souhaite devenir chasseur de tête. Autrement dit, recruteur de haut cadre et ingénieur, je me dirige tout naturellement vers une formation dans le secteur des ressources humaines. Deuxième erreur dans ma vie. Et c'est lors d'un match de football que tout a basculé. Là où tout joueur de football qui se respecte doit passer, la rupture des ligaments croisés. Fatigué d'une rééducation d'une durée d'un an, je me suis alors remis en question énormément de fois sur ce que je comptais faire dans ma vie, la place qu'avait le sport dans ma vie avant et quelle place allait-il avoir à l'avenir. Tout ce que cette blessure allait remettre en compte dans ma vie et quelle place je voulais occuper dans ce monde sans faire de sport, et oui, tout est parti de là. Je voulais être libre financièrement et vivre des paris sportifs. Après avoir trouvé les réponses à mes questions citées précédemment, voici la phrase qui résonne dans ma tête depuis le moment où j'ai voulu me lancer dans les paris sportifs. Tout ce que je vous ai raconté précédemment n'était que les prémices de ce que je suis aujourd'hui. Vous allez comprendre ce que c'est de ne pas faire d'efforts, de ne pas s'imposer des règles sévères envers soi-même, et vous allez très probablement vous reconnaître dans mes débuts dans les paris sportifs. Et si ce n'est pas le cas, c'est soit que vous n'avez pas commencé à investir dans les paris sportifs, soit que vous avez pris les bonnes décisions dès le début, et dans ce cas, bravo à vous. Voici mes débuts et mon évolution dans les paris sportifs. Je voulais tout simplement essayer de gagner de l'argent en regardant des matchs. Ça n'aurait pas changé mes habitudes en fait, vu que je n'en consommais déjà beaucoup et que j'adorais le faire. Alors, j'avais alors 17 ans à ce moment-là. J'étais fougueux et avais soif d'apprendre la vie, mais surtout soif d'argent, comme vous qui lisez ce livre. Puis le temps est venu où j'avais besoin d'argent afin de financer mes études de commerce en ligne. Oui, je vous avais dit que je devais être dans les ressources humaines, mais disons que j'ai vite compris que ça ne m'irait pas après avoir travaillé quelque temps dans ce milieu. J'étais alors fin prêt à gagner des milliers d'euros facilement, rapidement, avec toutes les connaissances que j'avais sur le football, le tennis, le rugby et l'ensemble des sports de manière générale. Bon, évidemment, ça ne s'est pas passé comme je l'étais imaginé. J'ai commencé par une petite bankroll, autour de 200 euros. Je me disais qu'avec cet argent, je me ferais un petit 1000 euros par mois et que je pourrais financer mes études tranquillement.
Je me suis inscrit sur un bookmaker disponible en France. J'ai balancé, oui, c'est le bon terme, les 200 euros dessus. Et c'est parti pour une de mes plus grosses erreurs de money management de ma vie. Je me rappelle très bien de ce pari, c'était un combiné de 5 matchs de football avec une cote globale à 5. Si le pari était gagnant, j'avais mes 1000 euros, franchement, je le sentais bien. Et oui, vous connaissez déjà la suite, je n'ai pu valider que 4 paris sur les 5 sélectionnés et donc j'ai perdu mes 200 euros. Donc là, évidemment, je me suis posé des questions et je me suis dit que ça ne devait pas être la bonne méthode. Du coup, le lendemain, j'ai remis 200 euros et j'ai été intelligent. Cette fois-ci, j'ai demandé avant à un soi-disant tipster sur une plateforme non recommandable pour trouver un bon tipster, Snapchat. Je lui ai demandé s'il n'avait pas une cote à 2 pour pouvoir me rembourser de mes précédentes pertes. J'étais serein, il était sur une super série, du moins c'est ce qu'il me disait et m'avait démontré grâce à son bilan truffé d'erreurs de gestion de bankroll, mais ça, je ne le savais pas encore. J'ai suivi son pronostic et j'ai fait all-in dessus. Bref, j'ai perdu 400 euros en 2 jours alors que j'étais étudiant et avais peu d'argent de côté. J'ai voulu abandonner, je me suis dit que les paris sportifs étaient une arnaque, que personne ne pouvait gagner d'argent avec. J'ai laissé l'histoire de paris sportifs derrière moi pendant bien un mois. Un jour, de façon anodine, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, comme tout le monde quoi, puis je suis tombé sur un mec qui expliquait comment parier et comment gagner sur du long terme. Première fois que j'assimile le terme long terme dans les paris sportifs. J'ai eu un déclic. J'ai compris la clé. J'ai compris qu'en fait, les paris sportifs, ce n'était pas comme un contrôle à l'école. Vous savez le contrôle où vous n'avez rien révisé de vos cours, mais vous savez très bien que vous allez quand même avoir un 12 sur 20. Non. Bien au contraire. J'ai compris qu'en fait, si tu voulais gagner de l'argent, il fallait se former. Comme tout bon boulanger qui veut faire du bon pain. J'ai appris à analyser l'ensemble des éléments d'une rencontre sportive et mieux gérer mon capital sur le long terme. Du coup, cet accompagnement m'a été donné par un des premiers acteurs dans le marché des paris sportifs, un ancien coteur, Monsieur Benoît Trenton. J'ai eu confiance en lui et aujourd'hui je ne le regrette pas du tout, vu mon parcours. Il m'a martelé un terme qu'il a créé de toutes pièces et que les amateurs de paris sportifs connaissent tous désormais, j'ai appris le terme PLT, pari long terme. Après m'être formé, j'ai alors compris que le plus important, c'était évidemment d'avoir un bon money management, une bonne gestion de bankroll, mais surtout que les paris sportifs, c'était essentiellement dans la tête que ça se passait, c'était psychologique. Et depuis ce moment-là, cela fait depuis 2012 que je n'ai plus jamais perdu d'argent sur une année. Mais attendez, j'ai sauté des étapes. Oui, je n'ai pas dit que j'avais travaillé et m'étais professionnalisé comme un fou. Je notais tout sur des bouts de papier et j'allais chercher toutes les informations concernant un match partout où je pouvais le trouver, sur ce que je continue à faire depuis pour les abonnés de Money Times. En fait, je n'ai pas voulu me reposer sur mes lauriers et me dire, ok, je connais beaucoup de joueurs de foot, je joue au foot, je connais les équipes, je veux gagner de l'argent, c'est sûr. Non, je suis sorti de ma zone de confort parce que je ne voulais plus perdre de l'argent et je savais qu'il y avait quelque chose dans ma tête qui bloquait, qui faisait en sorte que je ne comprenais pas tout. Je me suis apprêté à consommer énormément de matchs, de courses, de rencontres, tous sports confondus, sans parier, juste à analyser. Et franchement, j'ai kiffé ce moment et du coup, je n'ai plus jamais voulu m'arrêter et j'aime toujours autant regarder un événement sportif et me demander quelle va être l'issue ou le scénario de la rencontre. Et là, vous allez me demander, mes amis, pourquoi s'être spécialisé sur le tennis? Parce que pour moi, le tennis est un sport rentable depuis des années qui voit de nombreux jeunes se développer. De plus, la saison de tennis commence en janvier et se finit fin novembre. Donc, il y a du tennis pratiquement toute l'année, ce qui me permet d'avoir un volume intéressant de paris sportifs en fin de saison et donc de lisser la variance. J'en suis venu à l'heure du bilan. Je me suis rendu compte que pendant 2 ans, je m'étais juste remboursé des pertes que j'avais eues en l'espace de 2 paris perdants datant de 2 ans auparavant. J'ai eu un choc psychologique encore plus fort. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je n'avais peut-être pas gagné d'argent sur le long terme, mais que maintenant, j'avais appris de mes erreurs et que j'avais une stratégie définie avec des objectifs simples et proportionnels à mes attentes. Il suffisait de peaufiner la stratégie, de l'affiner jusqu'à ce que je me sente le plus à l'aise possible avec. Et depuis 2015, j'ai augmenté ma bankroll de manière exponentielle, pour tout vous avouer, elle est de 5 chiffres désormais. Je me suis alors dit, si moi j'y suis arrivé, alors pourquoi je ne pourrais pas aider les autres? Pourquoi je ne pourrais pas être le Benoît Tréhenton de certains? En coachant aux parieurs les bonnes pratiques, en les formant et en leur donnant toutes les connaissances que j'ai pu accumuler pendant des années. J'aidais déjà quelques amis sur leurs paris, ils gagnaient de l'argent grâce à moi, je trouvais ça cool franchement. Et puis, j'avais un ami qui s'en sortait mieux que d'autres et j'aimais bien sa mentalité, il avait des connaissances solides sur les sports que je méconnaissais. Évidemment, vous l'aurez compris, pour ceux qui connaissent déjà, il s'agit de Pierre-Antoine, alias PA. Copains d'enfance, nous avons partagé de très bons moments ensemble, puis est venue l'idée avec PA que nous pourrions établir ce que nous voulions donner depuis des mois et des mois, conseiller les parieurs pour qu'ils arrêtent de perdre leur argent et faire en sorte qu'ils en gagnent sur le long terme. Et puis le projet Corner 7 vu le jour le 27 juillet 2017 et nous en sommes très fiers. Désormais, la dénomination commerciale de l'entreprise est Money Times et nous sommes très heureux de pouvoir aider tous les membres qui ont intégré la famille de Money Times.
La moralité dans cette histoire, c'est qu'avec le temps, j'ai su m'expertiser, me professionnaliser. Si vous préférez, j'ai appris à créer mes propres analyses et surtout les remettre en question pour savoir si elles étaient vraiment fiables, complètes et de qualité. J'ai aussi compris les éléments majeurs du marché du betting avec un vocabulaire particulier avec lequel il faut se familiariser. J'ai pu me développer personnellement et sportivement. J'ai maintenant un œil différent quand je regarde n'importe quel événement sportif, donc oui, le temps m'a donné tout ça. Le travail aussi, j'ai investi de ma personne pour pouvoir me dégager de l'argent et en faire profiter un maximum de personnes aujourd'hui. Et un petit conseil, ne commencez pas avec une grosse bankroll, un capital. Assimilez le fait que cet argent-là, celui que vous investissez, vous êtes prêt à le perdre et que ça n'agira pas sur votre psychologie et votre vie en général. Qu'il est important que vous mettiez en place votre stratégie, choisir des objectifs élevés mais réalistes, adapter son money management en fonction, avoir tous les outils nécessaires pour devenir un parieur gagnant. Qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous voulez gagner de l'argent avec les paris sportifs? Est-ce que vous êtes prêt à supporter les pertes? Êtes-vous capable de respecter votre money management lorsque vous êtes sur une bonne ou mauvaise série? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec votre stratégie? Sinon, peut-on l'ajuster ou totalement la revoir? Dois-je voir ça seul ou en parler autour de moi? Par où commencer? Comment? Et quel est le but, l'objectif à atteindre? Soyez bien dans votre vie personnelle avant de vous lancer dans les paris. Allez plus vite en suivant des tipsters de qualité avec un bilan de 750 paris minimum. Posez les bonnes questions avant de suivre un tipster. Comprenez que oui, il n'y a pas que des passionnés comme Benoît Trenton, Vincent Prévost ou moi-même. Il y a aussi des gens qui profitent de l'engouement autour de ce marché et ils ne devraient pas profiter de vous comme ça. Les escrocs existent dans les paris sportifs. Le marché n'est pas épargné malheureusement. Donc sélectionnez vos tipsters. Prenez le temps, prenez votre temps pour faire connaissance avec lui, poser des questions. Même si elles vous paraissent idiotes, le tipster doit vous répondre quoi qu'il arrive. Vous êtes peut-être son futur membre, donc vous devez avoir les réponses à vos questions en temps voulu. Et d'ailleurs, Vincent est un membre du groupe privé de moneytimes.fr, et c'est par ces questions que nous sommes liés d'amitié et avons partagé une passion commune, le cyclisme. Et de par son expérience personnelle, ses connaissances et nos précieux conseils tout au long de ce livre, vous verrez que vous gagnerez de l'argent sur le long terme en prenant un minimum de risques pour votre bankroll. Aujourd'hui, si avec Vincent, nous avons réussi en nous formant et en travaillant dur en sortant de notre zone de confort, alors pourquoi pas vous? C'est la fin de cette lecture de cet extrait de Parier sur le cyclisme, votre futur complément de salaire. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il a été bien lu et bien cohérent par tous. Ce n'est pas facile de lire son propre livre à haute voix, je vous l'accorde, mais au moins, c'est un exercice un petit peu particulier. J'espère que la suite de cet extrait vous plaira et que tout simplement le livre vous permettra de gagner de l'argent sur le long terme avec le cyclisme et peut-être, qui sait, vous passionner encore plus que Vincent et moi-même réunis autour du cyclisme. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si jamais elle vous a plu, si jamais vous en voulez d'autres aussi extraits, et à nous faire part du futur vainqueur du Giro aussi en commentaire. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus tard.